Bonjour, tuto sur texture 3D. Ensuite, régler les paramètres de base. Donc 1920 par 1080, 25 images par seconde. Pour régler également les médias optimisés. Voilà pour moi. Et le dossier de travail, voilà pour moi. Donc d'abord, je vous montre un PDF que j'ai préparé. Donc support du cours. Donc ce PDF reprend les grandes lignes du cours. Voilà, avec des explications sur les textures. Je vous montre également un site ici, 15 sites pour trouver des textures gratuites. Donc voilà l'adresse là, vous la voyez, je vous la laisse quelques secondes. Donc Polygon, donc polygon.com. Donc n'importe quelle texture libre, elle est gratuite, mais les autres sont payantes. Prenons par exemple les briques. Voilà, donc là elles sont payantes. Hein, libre, voilà, celle-là elle est gratuite. Alors si vous prenez une payante, vous pouvez la télécharger, enregistrer l'image sous. Et vous pouvez télécharger les différentes textures. Donc en cliquant ici. Donc par exemple, normal, voyez, réflexion. Donc vous pouvez la télécharger en enregistrant l'image sous, vous l'aurez dans une moins bonne qualité, mais ce sera gratuit. Alors moi je les ai chargés donc pour l'instant en 1K parce que par rapport au tuto ça suffit. Je les ai déjà mis dans mon répertoire. J'ai créé une nouvelle composition fusion, donc souris droite, nouvelle composition fusion. Je lui ai donné le nom de texture mur 3D et ça fait 5 secondes. Et ensuite, j'ai créé une nouvelle timeline, texture mur 3D, ajouter une shape 3D, merge 3D et render 3D. Shape 3D. Régler les paramètres comme ici. Donc plane, vous pouvez mettre en cube, en cylindre, en sphère. On va choisir plane. Et on va remplir l'écran, donc 331. On va ajouter nos matériaux. Donc, comme je vous l'explique sur le PDF, vous regarderez la définition des matériaux. Donc, le premier matériau, c'est brique. Brique. Donc, c'est la couleur de la brique. Et on va l'appeler color. Vous voyez, ici j'ai marqué M1 color. Donc vous faites F2, M1, pas d'espace, color. Ensuite, on va prendre le gloss. Donc gloss. Voilà, donc M2 gloss. Donc F2. Donc M2. Gloss. Ajouter brique normale. Donc c'est celle-ci. On fait F2 et on la renomme M3 normal violet bump mat. Donc on va la connecter. On va rajouter une node. Contrôle, barre d'espace, cook, voilà, cook torrents. Et on va relier tous nos matériaux. On presse sur la touche Alt et on lâche. Donc là, on choisit une entrée. Donc color, c'est l'entrée jaune. Ensuite, le gloss. Donc, touche Alt, je lâche. Specular color matériel. Et ensuite, le bump. Alt. Donc, bump matériel.
Voilà. Donc le bump mat correspond au relief. Donc il faut régler ici bump mat. Sacrée différence, hein. C'est excellent. Après, on va rajouter ici contrôle barre d'espace replace. Replace matériel. Ici. Et on va relier. Le mur. On va modifier le renderer. On va ajouter et shadow. Donc on voit plus rien, ce qui est normal. Il faut rajouter de la lumière. Donc un point light. Donc sur le contrôle barre d'espace, point, voilà, point light. J'en ai besoin de deux, donc voilà, je les aurai. Donc le numéro 1. Ah, vous voyez, ça commence. Alors, merge ici. Et là, pour voir la lumière, donc il faut que je règle la position du projecteur. Voilà. Par exemple, et on va le mettre, mettons, en rouge. Ok. Ensuite, le point line numéro 2. On le met en bleu. Si vous ne voyez pas la même chose que moi sur votre moniteur, il faut, avec la souris droite, 3D options, il faut cliquer ici sur, voilà, vous voyez, Shadow et Lighting. Donc, Lighting et Shadow. Mais ensuite, ce que l'on peut faire. C'est par exemple regrouper contrôle barre d'espace underlay ça permet de les déplacer tous en même temps contrôle S j'avais oublié de sauvegarder.